allons-y. Joie. Oui. Non. Poum, poum, ping. De merde. C'est littéralement bon. C'est chiant. Aïe. Tac, bonjour, bonsoir à tous, c'est Adrien du French Grenier comme d'habitude et aujourd'hui je suis extrêmement heureux. J'ai oublié de la planquer, c'est pas grave. Masse 45. Commençons par un peu de porn. Commençons par un peu de gun porn. C'est beau, hein? Ouais. La Masse 45, extrêmement connue. Ça faisait extrêmement longtemps que je devais vous faire un épisode dessus. J'ai mis longtemps à remettre la main sur un exemplaire, mais non seulement j'ai mis la main dessus, mais en plus je l'ai acheté. Elle est à moi. Elle est à moi. Exceptionnellement, on va commencer par ça. J'ai eu un peu de mal à mettre la main dessus, déjà parce que c'est un peu rare, et ensuite parce que c'est putain de cher. C'était déjà cher à l'époque où j'ai commencé vaguement à m'intéresser à ce modèle. Ça valait aux alentours de 6, 7, 800 euros. Ça fait rêver, hein? Ouais. Les Masse 45 à 700 euros, ça fait purée de rêver. Et actuellement, globalement, on a dépassé les 1100, on les trouve aux alentours de 1002, 1005. Et pour les rarissimes modèles A, qui sont les premiers exemplaires créés, j'en ai une actuellement en boutique qui, de mémoire, dépasse les 1900 euros. Voilà. Donc oui, c'est devenu extrêmement cher, les Masse 45. Ceci étant, à raison. Car c'est un excellent modèle. Donc, la Masse 45, pour vous donner une idée, à la base, ça s'appelle le Mother 45, car c'est un système Mother, avec une culasse Mother, drapeau 3 points, etc. La seule chose vraiment qui différencie, bah, c'est l'architecture du corps, étant donné qu'il n'y a ni l'extracteur massif monobloc qui interdit strictement de choper une cartouche directement, ni la tête de culasse si particulière, à deux tenons avec un arrière de corps à un tenon. En dehors de ça, c'est donc une carabine qui avait été créée à la fin de la guerre par les Allemands pour, on va dire, uniformiser les carabines d'entraînement, et il y en avait beaucoup, faites par beaucoup de marques. Il y avait le Walther Sportmodel, le Geco également Sportmodel, le 34. Ça faisait un peu beaucoup, et donc les Allemands, dans leur, comment dire, dans leur souci d'uniformiser l'univers, n'ont pas créé une carabine blonde aux yeux bleus, mais une carabine, eh bien, ma foi, assez sympathique, qui actuellement est connue pour être probablement la meilleure de toutes les 22LR à verrou, et a raison. En 1945, quand ça a été un peu foutu pour les Allemands et leur souci d'uniformiser la société, ma foi, les Français ont récupéré non seulement tout le stock de Mother 45 qui avait déjà été créé, toutes les pièces détachées et surtout toutes les machines outils. Tout ça a été rapatrié à la Masse, la manufacture d'armes de Saint-Étienne, et c'est comme ça que la Masse 45 est née. En réalité, c'est juste un changement de nom puisque la carabine n'a absolument pas changé, et elle est devenue carabine d'entraînement pour nos militaires, extrêmement appréciée parce que extrêmement fiable et surtout super 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 bonne. Comme vous l'avez vu, ça utilise ces petits chargeurs de 5. Alors c'est un peu dommage, on a mis des chargeurs de 10, je crois que ça n'existe pas, mais c'est pas grave. Car Dieu merci, depuis le temps que je m'intéresse à cette carabine, j'avais pas réussi à récupérer l'arme. En revanche, j'ai récupéré un paquet de chargeurs, et là en l'occurrence j'en ai 4. Donc ça me fait déjà 20 cartouches de sécurisées. Allons-y. Et c'est parti mon kiki. Alors, donc... je me suis laissé avoir par la queue des tente. Ah, et oh.
Clic. Autant pour moi. Alors, le carton est un peu minable. C'est vrai que... Alors, bon, évidemment, on le verra tout à l'heure parce que je vais faire un chargeur rapide. Mais c'est une carabine d'une fluidité absolument inégalée. J'avais calculé dans le temps, la première fois que je me suis vraiment acharné sur ce modèle, c'est je vais plus vite avec ce verrou qu'avec une levier de sous-garde. En 22 aussi, hein, c'est pas, je compare pas une 22 LR avec une 30-30, on est d'accord. Mais je vais plus vite avec ce verrou, qui est d'une fluidité mais absolument délirante. Ça, c'est le gros point fort de la Mas 45. C'est incroyablement souple, incroyablement fluide. Il n'y a pas un seul putain de point dur dans le tas. C'est absolument incroyable. Bon, l'éjection, je sais pas pourquoi l'éjection m'a fait des petites bizarreries là. Bon, c'est pas très grave. En revanche, c'est vrai que cette visée à œilleton là, puisque c'est en gros un petit œilleton monté sur une planchette curseur avec un guidon, avec un tunnel qui est... Il n'y a vraiment pas beaucoup de viande entre le guidon et le tunnel. Moi, me pose quelques petits soucis, on va dire, dans cette configuration lumineuse que j'ai maintenant. Alors, attendez voir, je vais essayer, parce que c'est vrai que mes lunettes sont un poil crades. Voilà, je vais voir si ça venait pas éventuellement de mes lunettes aussi. Donc, introduction du chargeur assez simple, mais quand même, ce ressort qui est à l'arrière, là, est assez ferme. Donc, ça s'introduirait presque comme un chargeur d'un câble, vous voyez. À droite là. Ouh. En plus, alors la queue détente est excellente, elle est vraiment assez courte, etc. Mais il n'y a pas de dur. Et moi, quand, vous savez, quand il n'y a pas de dur, ça me perturbe un petit peu, quoi. Non, je suis vide. Le seul vrai défaut qu'on pourrait lui reprocher, c'est de n'avoir que des chargeurs de 5. Chargeur de 10, ça aurait été assez agréable quand même. Alors, on va faire l'essai quand même, parce que c'est quand même excellent. On va faire un essai. Voilà, je pars culasse fermée, sans cartouche. Et on va voir combien de temps je mets pour envoyer les coups. Alors, plus ou moins dans cette direction. Hein. Je vais essayer d'éviter de tirer sur ma caméra en cible. Allons-y. Ah non, mais j'ai fini, pardon, attends, il me semble. Oui, j'ai fini, c'est bon. J'ai cru que j'avais coincé une balle dans mon canon, mais non, tout va bien. On la refait, histoire de faire une petite moyenne. Là, je suis pas très rapide, je trouve. Attention. Ah. Je crois que mon extracteur doit être crade. Merde, il m'en reste une. Ah. Bon. Que ma performance un peu médiocre ne vous fasse pas avoir de mauvaises idées, car cette carabine est vraiment extrêmement souple, extrêmement fiable. Là, c'est vrai que mon extracteur doit être un peu crado. Parce que c'est vrai que je la tiens d'Alain Gillot, que certains d'entre vous connaissent, qui nous a quittés malheureusement, donc j'ai récupéré ça quand même. Et il avait la fâcheuse tendance à graisser ses flingues, mais alors à l'excès. Et je pense qu'en fait, n'ayant pas nettoyé l'arrière de mon extracteur, je pense qu'il y a un demi-tonneau de graisse. Et c'est donc pour ça que ça me fait déconner l'extraction. Allez, on va se faire encore deux petits chargeurs et on va remballer malgré tout l'amour que j'ai pour cette carabine, car c'est une excellente carabine. C'est, à mon avis, de sa gamme, c'est la meilleure et de très loin. Malgré l'amour que je lui porte, eh bien, toutes les meilleures choses ont une fin. Dans le bon sens, c'est mieux. Allons-y. Ah. Oula. Alors, serais-je tombé sur une sans poudre? Il y a de grandes chances. Non, tout va bien.
Eh bien, manifestement, je suis tombé sur une rareté. Alors aujourd'hui, je tire des Winchester Standard Velocity et je suis tombé manifestement sur une cartouche sans poudre qui est juste fait. Ça arrive. Qu'est-ce que c'est sympa ce truc, qu'est-ce que c'est sympa. C'est incroyablement... Oula, aïe. Ah, ah. Ah putain, je me suis blessé sur le... Je me suis blessé sur la bretelle, c'est une nouveauté. C'est pas très régulière ces cartouches, je trouve. Encore un lot destiné aux Européens avec juste de la merde dedans. C'est une possibilité. Ah, très très sympa. Alors, non seulement elle est très sympa, elle est très fluide, c'est encore une fois sans doute la meilleure de sa catégorie, mais en plus, formidable, elle est admissible au tard car c'est une vraie carabine réglementaire puisque c'était la carabine d'entraînement de notre armée française chérie. Voilà. Le canon ne chauffe pas, incroyable. Il est à peine tiède, et pourtant je viens de lui passer 4, 5, 6 chargeurs, n'importe quel CZ ou compagnie serait chaude déjà. Ça c'est excellent, les finitions sont très belles, j'ai aimé le phosphate à partir de ce moment-là. Les bois bon, bah, sont un peu pérables, mais curieusement ils passent bien. C'est très très ergonomique, on est très bien dessus. La poignée est très bien parce qu'elle est très très légèrement enflée au niveau de sa partie terminale. C'est vraiment excellent. On est bien dessus, mais encore une fois, c'est vrai qu'il y a très très peu de place entre le guidon et le haut du tunnel. Moi, j'ai un peu de mal à m'y retrouver. On va dire que par rapport à une autre carabine que je vous ai déjà montrée, la MS-420 de chez Mauser, on est à peu près sur le même délire, si ce n'est que la MS-420 est peut-être plus ergonomique au niveau de sa prise de visée, alors que la MAS 45 est infiniment plus fluide. Allez, on se fait un petit run, comme ça, pour nous. Tactical. Pour cet épisode, je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi. Merci aux tipeurs, bordel de merde, les tipeurs. Vous, bande de sacs, qui me soutenez tant et je vous aime, c'est formidable. Bon, je vous aime tous en vrai, mais les autres, ils donnent du pognon.
Non, je déconne, évidemment, vous n'êtes pas obligé de donner du pognon, je vais pas vous demander de pognon, je me démerde bien sans. Mais c'est encore mieux si je l'ai, parce que je peux vous sortir des dingueries comme la Masse 45, et je la kiffe. Je vous dis à très bientôt, amusez-vous bien, mangez des légumes, buvez de l'eau, ou buvez des légumes, mais mangez de l'eau, c'est pareil, c'est juste pas dans le même ordre. Ciao!